tournait. Pas facile. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, mesdames et messieurs, et messieurs les musiciens de l'orchestre de Bandol, je crois que cette année nous sommes vraiment gâtés, nous faisons les choses en grand. Chers amis bandolais et chers amis de l'extérieur, naturellement, donc hein, je ne veux oublier personne. Alors, un discours, ça se prépare de Bandol depuis de très très longtemps. Vous avez tout un échelonnage hein, de photos, d'écoles, qui datent de 50 à 90, et ensuite toutes les photos souvenirs de ce Bandol que nous avons connu. Il y avait une dame d'un certain âge, une bandolaise, et je l'ai un peu accompagnée, qui commençait à regarder les photos, et elle a commencé à pleurer. Et elle m'a dit, voyez, celle-ci est mort, celui-ci est mort, ceci est quand même. Donc, c'est quand même du foyer, illuminer la flamme. Toi, le pèlerin, qui aimait avoir fumé. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer. Alors ça c'est de la Martine, c'est une somme de la Martine, donc, hein. Lucini, mais enfin j'essaye. Alors justement, ces objets inanimés, avez-vous donc une âme? Donc je crois que tout le monde connaît ce passage, ce poème de la Martine. Alors je crois que là j'ai donc à peu près tout dit. Je tiens encore à remercier donc, Monsieur Passalacqua et son orchestre parce que hein, c'est musicien. Bonjour mesdames, messieurs, bien, c'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous et c'est toujours un grand plaisir de visiter, de s'extasier, de s'émerveiller devant vos expositions toujours plus magnifiques les unes que les autres. Je ne sais pas, vous allez vous arrêter, mais restez longtemps avec nous, hein, vous et votre association, merveilleuse également. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est l'école qui est à l'honneur. C'est l'école et ça tombe à pic, puisque demain, hein, nous allons réaliser une belle rentrée, je l'espère. Mais je tiens quand même à souligner que l'école, l'école, c'est un pilier. C'est un pilier pour les valeurs de nos enfants, les valeurs morales, les valeurs citoyennes, et bien toutes ces valeurs qui ne doivent pas disparaître, qui doivent se pérenniser. Et vous savez, je crois que l'école, c'est toujours le souci majeur pour le premier magistrat et son équipe, parce que un village comme le nôtre, eh bien, doit garder ses écoles, doit entretenir ses écoles, doit les améliorer, parce qu'à l'intérieur, eh bien, on peut faire des choses magnifiques. Et je crois que Bandol s'honore d'avoir des écoles hein, de haut niveau. Et sachez qu'on fera tout ce qu'il faut pour les garder, parce que quand je vois à la télévision les écoles qui disparaissent, c'est la mort du village. Et ça fait beaucoup de peine de voir ces habitants qui pleurent devant le départ d'une école. Alors nous avons la chance d'avoir ces écoles. Eh bien, on va les garder, on va les améliorer, les pérenniser, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que dans ces écoles, on imprime les valeurs sociales et familiales essentielles. Et de nos jours, ces valeurs qui disparaissent de plus en plus ont besoin aussi d'être pérennisées. Et puis, je soulignerai aussi que votre exposition nous rappelle quand même que c'est dans ces écoles que sont nés, ont voyagé, ont ensuite réalisé des choses magnifiques dans notre ville. Et tous ces citoyennes et ces citoyens bandolais qui ont laissé ces traces méritées que vous leur faites avec cette exposition. Et eh bien, c'est ces citoyennes bandolaises et bandolais qui ont permis d'avoir une ville comme la nôtre, qui est une ville authentique et provençale.
Et grâce à vous et à tous les responsables d'associations, tous ces présidents d'associations, tous les citoyens qui s'impliquent, eh bien, il y a ces traditions qui sont pérennisées et respectées. Vous avez des traditions sur terre et sur mer. Vous avez, vous l'avez dit tout à l'heure, ces pointus avec leur association. Mais vous avez aussi toutes les traditions musicales. Vous avez également tous les festivals. Et le festival provençal est quelque chose qu'il faut promouvoir et qu'il faut respecter. Et puis, vous avez aussi quantité d'autres manifestations. Je vais souhaiter que la classe soit animée, qu'elle soit aussi nombreuse, qu'on ne puisse pas enlever des professeurs, mais qu'on puisse les garder. Et je sais que tout va continuer magnifiquement. Et je souhaite que cette exposition soit parcourue comme elle le doit, parce que c'est une exposition encore magnifique grâce à vous. Et merci au nom de toutes les Bandolaises et les Bandolais pour ce que vous faites.